Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo des paniers Togo. Donc là, aujourd'hui, on a déniché un panier. Pour aujourd'hui, on a déniché un panier fruits et légumes et on n'a pas pu avoir celui qui est mixte. Donc, on a pris pour 4,90 et c'est Violetta qui l'a pris. Parce que moi je travaillais, donc là je suis encore. J'allais l'avoir le mix en plus. Ouais. J'ai cliqué dessus et en fait c'était pas pour moi. Bon, on va commencer. Donc je vous montre en fait ce qu'on a eu. On a eu des oignons nouveaux comme ceci. Donc j'en ai encore. On en a mangé, mais il m'en reste encore un oignon, il me semble, dans le frigo. Donc voilà pour ceci. On a eu du poireau. Des poireaux. Voilà. Ils sont vraiment vrais, ils sont intacts, donc c'est très bien. On a une fenouille bio, donc la fenouille j'aime pas trop en fait, mais je vais essayer en fait de la cuisiner. Donc si vous avez une recette en fait, je suis preneuse. On a encore eu un chou chinois. Un chou chinois, on en a plein. Hein. J'en ai encore deux dans le frigo et je sais vraiment pas comment le cuisiner. Du chou chinois. Ouais, bah oui. Donc je sais pas comment le. Oui, ça se mange en salade, mais j'ai pas envie de le manger en salade. Ou du pot-au-feu. Non. Donc si vous avez une recette en fait avec du chou chinois, donnez-moi en fait. Je suis preneuse, je sais vraiment pas quoi en faire. En fait. C'est de la mâche. C'est de la mâche, oui. C'est marqué. Ouais, c'est de la mâche. C'est marqué, non? Non. C'est de la mâche, ça. Ouais. On a eu de la mâche, voilà, comme ceci. Combien? 150 grammes. On a eu aussi de la salade iceberg. Enfin, c'est pas de la salade iceberg, je dis de bêtises. Eux, ils appellent en fait cœur de pomme. Cœur de pommée. Donc, c'est la salade iceberg. Oui, je pense que c'est la salade iceberg. Voilà. On a eu. Vas-y, peu importe. Hein. On a eu une petite courgette. Voici, comme ceci. On a eu une poire et une prune. Donc voilà. On a eu des petites clémentines. J'adore. La dernière fois, elles étaient très bonnes en fait, qu'on les a pris. Et là, on a 2 kilos de clémentines, je pense. Quoi. Non, il n'y a pas de kilo, hein, parce que le sachet a été entamé, mais il y en a pas mal. Non. Du citron, donc là il en manque aussi, donc c'est du citron bio. Je crois que la dernière fois on a eu aussi. Ouais. Il est dans le frigo, je n'ai même pas regardé. Donc 4 citrons comme ça. On a eu 2 petits brocolis, comme ceci. Bio, je crois que ça se cuit à l'eau. Ça se cuit à l'eau, oui. Ah oui, ça se cuit à l'eau. La dernière fois, en fait, j'ai fait, parce que j'avais un duo brocoli et chou-fleur, j'ai pris le chou-fleur, oh le chou-fleur, n'importe quoi. J'ai pris le brocoli, en fait, je l'ai fait avec du riz. Donc, j'ai fait le riz avec du poivron et avec de l'oignon et j'ai rajouté un autre petit brocoli, en fait, c'était très bon. Donc, voilà. On a encore eu des patates, des pommes de terre. 2,5 kg de pommes de terre à la raquette. Donc ça c'est Violetta qui l'a cassé, il n'était pas cassé. Hein. Il a vidé. Alors on a eu 2 courgettes, donc 2 petites courgettes, donc il m'en reste encore dans le frigo. Je prévois vraiment de faire une petite couscous ces jours-ci. Donc pour demain je vais faire du chou farcis. Mais demain, je vous posterai en fait la vidéo de. Voilà, ma tête. Je suis trop fatiguée là, je viens d'arriver du boulot et je suis fatiguée. Demain, vous aurez la vidéo de la recette que j'ai préparée en fait pour aujourd'hui. Et cette vidéo, vous l'aurez que lundi. Cette vidéo là où je vais faire l'inverse. Je vais voir, mais voilà. Donc je prévois de faire une couscous parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas mangé et franchement ça me donne envie en fait d'en faire une. J'ai un peu de tout, il me manque que le poivron.
L'estomac, je n'ai pas eu de poivre. Non, il m'en reste encore un, mais il m'en faut encore un verre. Donc ça, ça va servir pour le couscous. Et pour finir, on a eu des pommes. Des pommes bio. Donc, elle toute seule, elle comptait le prix du panier. Ouais, le panier, ouais. Et là, on a eu 684 grammes et c'est des galas. Donc, et en plus, c'est des pommes, elles sont pas abîmées du tout, hein, comme vous pouvez voir. Et donc. Je sais pas pourquoi ils les mettent. Peut-être parce que jusqu'à lundi, bah. Il n'y a pas de date là-dessus. Hein. Non, si, mais... jusqu'au 26-2. Non, on parlait le 26-2. Non, mais jusqu'à lundi, elles vont. Mais non, elles vont pas pourrir parce qu'elles sont vraiment en bon état. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, c'est tout pour ce panier Togo Togo. Donc il y a pas mal, il y a vraiment pas mal de choses qu'on a reçues. Donc là, on a beaucoup plus de légumes que de fruits, mais bon, toujours comme ça. Ouais, toujours comme ça, ouais. Et c'est toujours en fait qu'ils nous mettent en fait un chou chinois que moi j'ai pas encore cuisiné. Donc je disais qu'il m'en reste deux. En frigo et donc si vous avez vraiment une recette, je suis preneuse parce que je sais vraiment pas quoi faire avec. Je le mange en salade mais je peux pas manger en fait autant de salade. C'est donc voilà. J'ai le cinquième là depuis qu'on le... Non, c'est le troisième. On a eu dans un panier, on a eu trois. De quoi? Chou chinois? Ouais. Non, ça c'était la salade la romaine qu'on a eu. Donc non, ça c'est le troisième chou chinois que je prends. Ça fait le. C'est le quatrième panier qu'on prend? Quatrième, cinquième, je ne sais plus. Mais on a sur les quatre, on a trois. On a eu à chaque fois en fait, on a eu un chou chinois dedans. Donc, comment vous dire? Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez des pouces bleus pour nous encourager et on vous fait très très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.